ne peut le détruire. Si Jésus vit, personne ne peut tuer. Est-ce que ça t'appelle? Il peut pas. Est-ce qu'il peut? Il peut pas. Est-ce qu'il peut? Il peut pas. Est-ce qu'il peut? Il peut pas. Dis-moi est-ce qu'il peut? Il peut pas. Dis-moi est-ce qu'il peut? Il peut pas. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui me tient à cœur. Et je voudrais partager ce thème-là avec le peuple de Dieu. Amen. S'il me tient à cœur, vous avez aussi l'obligation de savoir quel est ce thème, qu'est-ce qu'il apporte à notre vie. Amen. Et je l'ai intitulé « La puissance de la relation ». Amen. Dans une relation, il y a une puissance, il y a une autorité. Gloire à Jésus. Éternel, tu es Dieu, je te prie de venir bâtir ta maison. Je te prie de venir m'enseigner, afin que je sois un canal d'enseignement pour ton peuple. Seigneur, tout ce que tu révèles, c'est par ta gloire, par ton Esprit Saint. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je prie que ta présence soit réelle maintenant. Je prie que ton esprit soit la paix. Voici, ton peuple est venu nombreux afin de t'écouter et de recevoir de toi la grâce. Seigneur, puisse ton élévation descendre en moi afin que je puisse la propager sur ton peuple. Puisse ta grandeur descendre sur moi afin que je puisse la distribuer à ton peuple. Puisse ton onction descendre sur moi afin que tes enfants reçoivent de toi cette onction. Puisse ta guérison descendre sur moi afin que la guérison soit dans la vie de tes enfants. Puisse ta prospérité afin que tes enfants soient prospères. Jésus, ce matin, je te confie les cœurs, je te confie mon cœur, afin que, Seigneur, je puisse enseigner un véritable évangile, un véritable évangile qui a franchi l'évangile de la vérité. Jésus, maintenant en ce lieu, s'il y avait un enfant, s'il y avait un esprit quelconque qui s'oppose à cet évangile, qu'il soit lié ce matin, attaché, jeté dans la géhenne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette salle soit barricadée, fermée par ton onction, par ton Esprit Saint, par ton sang, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Donc je disais, la puissance de la relation. Alléluia. Les relations dans la vie d'un enfant de Dieu sont, je dirais, obligatoires pour atteindre un résultat. Amen. Quand on parle de relation entre un tiers et un tiers, c'est pour atteindre un résultat. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. D'aucuns pourraient me dire, il est possible qu'on atteigne des résultats
sans avoir de relation. C'est vrai. C'est vrai que c'est possible. Mais ce que je veux dire à un enfant, quand on parle d'un résultat, c'est le résultat meilleur. N'est-ce pas? Je suis en relation avec telle ou telle personne, mais quel est le résultat que je puisse tirer de cette relation-là? Amen. Ça n'a rien du tout à voir de ce qu'on pourrait appeler intérêt. Non. Gloire à Jésus. Je vais vous l'expliquer. L'intérêt, c'est quand ça a un sens unique. Mais quand je parle de relation, je suis en relation avec le pasteur Fernand. Le pasteur Fernand est en relation avec moi. Donc, vous voyez que la flèche va vers le pasteur Fernand. Et du pasteur Fernand, la flèche vient vers moi. Donc, je comprends que sans le pasteur Fernand, des fois, je suis faible dans certains domaines. Et sans moi aussi, le pasteur Fernand est faible dans d'autres domaines. Gloire à Jésus. C'est de cette relation que je veux parler. Amen. Parce que les enfants de Dieu ont confondu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et vous avez vu que Dieu lui-même, il a permis qu'il y ait une relation entre lui et sa création. Alléluia. C'est pour ça que dans ce qu'on appelle la création, dans le processus de la création de l'humanité, Dieu a pris son temps, n'est-ce pas? Et dans ce temps qu'il a pris, la Bible nous dit au sixième jour, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc vous avez vu que dans ce processus-là, Dieu était à l'œuvre. Il était à l'œuvre et il y avait une révélation cachée dans l'œuvre de sa création. Et c'est cette révélation-là dont je veux parler aujourd'hui. Alléluia. L'œuvre de la création est tellement exceptionnelle, est tellement merveilleuse. Alléluia. Parce que vous allez comprendre que Dieu va travailler en étroite collaboration, un, avec l'Esprit. Parce que la Bible dit, quand vous lisez Genèse, vous comprenez que l'Esprit se mouvait où? Au-dessus de quoi? Des eaux. En ce temps-là, il n'y avait pas encore l'homme. Amen. Donc, l'Esprit était là et l'Esprit attendait. Parce que Dieu a compris qu'il ne peut pas prendre son esprit et puis jeter dans l'eau. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Quand Dieu va prendre l'esprit et il va mettre dans l'eau, il n'aura pas de résultat. Alors que Dieu, dans toute chose qu'il crée, il veut atteindre un objectif. Il veut atteindre un résultat. Donc, il aurait fallu que l'homme qui va être maintenant en relation avec Dieu soit créé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que Dieu va être en relation avec son fils au commencement. Ce n'est pas Jésus. Son fils. Amen. Et ensuite, l'esprit. Donc, les deux éléments sont deux vecteurs très important pour l'œuvre de la création. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen, hein? La Bible dit, Dieu a eu besoin de son fils. Et ensuite, l'esprit qui était déjà là au commencement. Donc, les deux éléments vont être utilisés par Dieu pour l'œuvre de sa création. Amen, hein? Et maintenant, pour que l'œuvre de sa création puisse être manifeste, il faut un endroit. Il faut un lieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un suit mon regard? Amen. Est-ce que quelqu'un suit mon regard? Amen. Amen. Ma fille, prends Genèse 1, verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Oui. Genèse 1, verset 26. Uh-huh. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Uh-huh. Sur les oiseaux du ciel. Uh-huh. Sur le bétail. Uh-huh. Sur toute la terre. Uh-huh. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Continue. Au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Regardez l'écriture de l'homme. Est-ce que
Regardez. Homme est comment? Petit H, non? La femme est comment? Petit H, non? Très bien. Petit F, pardon, ma soeur. Sois béni. C'est que tu me suis. Amen. Donc, vous voyez que la Bible dit, Dieu créa l'homme selon, un, son image, deuxièmement, selon sa ressemblance. Les deux éléments sont importants. N'est-ce pas? L'image et la ressemblance, c'est deux caractères différents. L'image, je te vois, la ressemblance, c'est le caractère. Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui? Suivant, vous allez voir. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Regardez, Dieu dit, faisons l'homme à... Regardez, il a fait l'homme à sa propre image et à sa propre ressemblance. N'est-ce pas? Donc, il y a une conséquence. Par conséquent, l'homme est comme Dieu, premier élément. Maintenant, je me pose une question. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de l'homme? Amen, hein? Dieu, souverain sacrificateur au-dessus de tout Dieu, maître des cieux et de la terre, bien-aimé, est-ce qu'il a besoin de toi pour parfaire l'œuvre de sa création? Il est Dieu. Alléluia. Il peut tout faire selon son vouloir et selon son pouvoir. Il n'a pas forcément besoin d'aller prendre un homme ou une femme pour dire, je fais la femme, je fais l'homme, selon moi, Dieu, mon image. Pour parfaire l'œuvre de la création. Gloire à Jésus. Mais j'ai compris une chose. Amen. Dans cette révélation, il y avait un élément qui était fondamental. Dieu avait besoin d'une compagnie. Amen. 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 Maintenant, vous allez comprendre que Dieu, ayant besoin d'une compagnie parce qu'il était seul, la solitude le fatiguait. Parce qu'il était dans un processus. Le processus de l'œuvre de sa création. Maintenant, dans ce processus-là, Dieu lui-même ne pouvait pas descendre parce que celui qui voit Dieu, ah, il y a un danger. C'est pour cela que la Bible qui nous disait, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, attendait pour que cet esprit-là soit dans un homme, afin qu'entre cet homme et Dieu, parce que l'homme qui va être créé sera à l'image de Dieu et sera la ressemblance de Dieu. Donc quand l'esprit va descendre dans l'homme, il va manifester les œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Vous comprenez aujourd'hui, quand des gens disent, je n'ai pas besoin de pierrette pour avancer. Je n'ai pas besoin de pierre pour avancer. Aïe, aberration. Bien-aimé, si tu te suffis, ah, regarde Dieu lui-même. Lui qui a le pouvoir, il dit l'or et l'argent m'appartiennent, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc il peut prendre ton argent, il peut en faire ce qu'il veut. Amen. Le souffle de vie, il suffit simplement qu'il appuie sur un bouton, terminé. On n'entend plus parler de toi. Mais lui-même Dieu, il avait besoin d'une relation entre lui et l'homme. Alléluia. Donc il va créer Adam et il va instituer Adam dans le jardin d'Éden et il va mettre sur Adam son esprit entre lui et entre Adam et lui va avoir une certaine complicité pour que l'œuvre de la création soit parfaite. Amen. Alléluia. Et enfant de Dieu, nous faisons beaucoup d'erreurs. Amen. Amen, hein? Amen. Et vous allez voir, Dieu, dans son imagination, vous voyez, il ne va pas créer que l'homme. La Bible dit, il créa l'homme et la femme. Maintenant, laissez-moi vous ouvrir les yeux. Frère, c'est pour ça que celui qui joue avec sa femme, il va comprendre aujourd'hui. Amen. Hey, la femme pour Dieu
était un instrument incontournable pour l'œuvre de la création. Bien-aimé, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est la parole qui va t'affranchir ce matin. La femme était un instrument incontournable pour le processus de l'œuvre de la création. Alléluia. Ma fille, lis-moi. Prenons Genèse 2. Verset 18. Je lis la parole de Dieu en Genèse 2, verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On va s'arrêter là, d'abord. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et faisons quoi? Une aide semblable. Une aide, fais quoi? Semblable. Une aide quoi? Semblable. À qui? À lui. Amen. Amen. Beaucoup ont tendance à croire, dès qu'on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on parle que de mariage. C'est faux. Non. C'est faux. Dieu a vu beaucoup plus loin. Au-delà du mariage, Dieu a vu beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a un aspect du mariage qui n'est pas bon ou que l'homme soit seul. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de ce mariage, le mariage-là, ça, c'est une alliance. D'accord. Mais quel est le résultat à atteindre? Amen. C'est ça. Amen. Dieu allait au-delà du mariage, frère. Alléluia. Alléluia. Hé, hey, regardez un peu. Seigneur, merci. Il y avait deux raisons, n'est-ce pas? Alléluia. La première raison, c'est que Dieu avait une mission pour la terre. Et il avait des objectifs à atteindre, donc il fallait un serviteur. Première raison. N'est-ce pas? Alléluia. Ok. Donc vous allez vous rendre compte que Dieu avait besoin et de l'homme et de la femme. Un. Première raison pour avoir une reproduction. Premier résultat. Amen. Regardez. Nous, on a pensé tout de suite à côté. Dieu lui l'a eu beaucoup plus loin. Le résultat allait faire quoi? Il devait avoir de cette procréation qu'on appelle généralement la reproduction, un enfant qui naît. Mais l'enfant qui va naître, vous allez voir que Dieu aura besoin de l'assistance de cet enfant pour résoudre encore d'autres situations beaucoup plus loin. Donc vous comprenez que, regardez la chaîne, Dieu crée l'homme, il prend l'esprit, il met ça en l'homme, et maintenant, il prend la femme, il la met auprès de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et de cette relation va naître un fruit. Le fruit, maintenant, c'est l'enfant. Premier résultat. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous comprenez que la relation entre l'homme, entre des hommes vivant sur la terre, sont très, très importantes. Bien-aimés. Si tu ne peux pas maximiser tes relations, il te sera difficile de voir plus loin. Alléluia. Dans une relation, nous voyons déjà objectif. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui me lie avec ma fille Kofi? Bien-aimé, tu es tout le temps la soeur. Matin, midi, soir, vous êtes ensemble. C'est-à-dire que tu dis non, c'est mon ami. D'accord. Mais elle est mariée. Toi, tu n'es pas marié. Vous êtes tout ensemble. Il y a quoi qui vous lie? Quelle est la relation? Frère, beaucoup ont tendance à dire, oh, c'est parce qu'on me voit tout avec le frère, la soeur qu'on dit que je vais avec elle. Frère, ce n'est pas parce qu'on t'a vu, mais nous voyons le type de relation qui peut vous lier. Et quand nous faisons réflexion, analyse, il n'y a pas de condition à ce que tu sois tous les jours, chaque instant, partout où tu sois avec elle. Frère, elle est mariée. Toi, tu ne l'es pas. Mais quand elle est au grand rendez-vous, c'est que à
relation qui vous lie. Dieu avait une relation, un objectif pour la terre. Donc il a pris l'homme, Adam, il l'a amené sur la terre, il a pris la femme, Ève, auprès de Adam, les deux se sont procréés, ils ont eu un résultat. Maintenant vous allez voir plus loin, c'est que donne le résultat de la procréation. Mais toi, tu es tout avec le frère, la soeur, partout où tu vas, vous êtes ensemble, entre vous deux là, il y a quel type de relation? La soeur n'est pas mariée, toi la soeur aussi, tu es mariée. Bon, les deux là, quel conseil vous allez vous donner? Vous êtes tout le temps ensemble, partout, partout, vous êtes ensemble. Tous les jours, c'est téléphone. Au téléphone, quel conseil vous vous donnez? Bien aimé, parce que je ne vois pas, la soeur a besoin d'aller s'occuper de son foyer. Toi, tu n'en as pas encore. On a cherché un type de relation avec Dieu, afin que ce que la soeur a reçu, et qu'elle soit dans un foyer, elle puisse être aussi dans le même foyer. Mais toi, partout où elle passe, elle est avec toi. Frère, il y a un problème. Je ne comprends pas. Un enfant de Dieu doit tisser des relations qui doivent le faire avancer. Un enfant de Dieu a des objectifs comme Dieu. Parce que Dieu t'a fait selon son image. Bien aimé. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tes approches là doivent être vérifiées. Je suis avec qui? Mais lui là, je suis avec lui là. Il m'apporte quoi? Il m'apporte quoi? Il m'amène où? C'est le père de mes enfants. Et puis après. Non. Non, c'est le père de mes enfants. Donc, il peut appeler quand il veut. Il peut venir à la maison aussi quand il veut. Oh! Où ça? Frère, c'est vrai. Il fut le père de ton enfant parce que vous avez un type de relation auparavant. Hein? Donc, cette relation était qualifiable pour Dieu. Mais à partir du moment où toi, où l'homme n'a pas compris que cette relation était importante et vous l'avez bafouée, quelqu'un d'autre est venu prendre la relation, mais là il a arrangé pour la mettre là où il faut. Frère, mets-toi à l'écart parce qu'on n'a pas besoin de toi. Alléluia. Dieu aime tellement ses enfants qu'il permet de faire toutes choses. Mais quand tu ne prends pas soin, tu ne connais pas la valeur, le même Dieu, dans le processus de la création, fait la même chose, il retourne les choses, et puis il donne ça à quelqu'un d'autre. Et beaucoup jouent avec Dieu. Alléluia. Les relations pour atteindre un objectif sont incontournables. Dieu veut créer une interaction entre lui et l'homme. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour atteindre un objectif. Parce que comme je vous l'ai dit, Dieu, dans son œuvre de création, a un objectif pour la terre. Il va prendre l'homme, il va le mettre sur la terre, il va prendre la femme, il met sur la terre, les deux sont là. Maintenant, Dieu est au-dessus. Vous allez voir que entre les deux, il va créer une interaction afin qu'il y ait un résultat. Et le résultat qui va sortir va d'abord être pour la gloire de l'homme, par la reproduction, et ensuite pour la gloire aussi de Dieu, pour le reste du monde. Alléluia. Ecclésiastes 4, 9, 12, 9, 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Attends, relis bien. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Continue. Au verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Oui. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Oui. Sans avoir un second pour le relever. Alléluia. Regardez un peu. Moi, c'est ici en France, j'ai appris à connaître un mot. N'est-ce pas? Je suis stressé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que chez nous on connaît stress? C'est ici que j'ai appris dépression. Est-ce que chez nous on connaît dépression? Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous on a le temps de dépression? Aïe!
Tu vois les poètes, tu sautes les poètes, claque. Tu n'as pas dit jouer ton football. Quand tu reviens, tu as pris ta douche. Une fois que tu as mangé, la dépression est passée. Amen, hein? Mais, hey, bien-aimé, chaque endroit est adapté à toute situation. N'est-ce pas? Amen, hein? Quand vous allez arriver en Afrique, il y a une situation qui est adaptée à l'Afrique. Quand vous allez arriver ici en France, il y a une seule situation qui est adaptée à ce pays. La solitude. Bien-aimés, beaucoup sont seuls et sont dépressifs parce qu'ils ne savent pas avec qui partager leur situation. Beaucoup sont seuls parce qu'ils sont face à des charges qui dépassent même leur entendement. Donc, des fois, ils sont suicidaires. Beaucoup sont seuls parce qu'ils ont été plusieurs fois rejetés. Ils ont fait des échecs dans les relations amoureuses de peur que ces relations retentissent encore pour les amener vers des échecs. Alors, ils prennent des décisions drastiques sur leur vie. Je suis maintenant seul. Plusieurs fois, j'ai échoué. Alors, les hommes là, j'en veux plus du tout. Je préfère être tout seul comme ça. Alléluia. Ou bien avec les hommes, je n'ai pas eu de suite. Maintenant, je préfère aller vers mon semblable. Parce qu'avec elle, quand on se parle, on se comprend. C'est là maintenant on dit, hey, quand on se comprend, on se parle même. Il y a un thème là. Feeling. Il y a le feeling. Alléluia. Maintenant, on prend des mots, maintenant, le feeling passe. Non. Je ne sais pas, mais quand je parle avec la soeur, il y a le feeling. Bien-aimé, non, tu ne peux pas avoir feeling avec ta soeur. C'est impossible. Ton semblable, feeling? Non, viens te délivrer. Donc, bien-aimé, vous voyez, assez souvent, les gens sont enfermés. Tellement, ils ont échoué. Ils ont traversé des situations difficiles. Ils sont maintenant dans la solitude. Alléluia. Et je m'enferme dans la maison. Et puis, ils sont là maintenant, dépressifs. Ils vont défiler dans la maison 10 fois, ils font le tour, ils sont là. Le problème est là, ils ne savent pas qui parler. C'est ça. Dieu dit, hein, deux valent mieux qu'un. N'est-ce pas? Dans ce processus-là, quand un est faible, l'autre relève l'autre. Bien-aimé, vous comprenez que il n'est pas bon que l'on soit seul, ce n'est pas simplement attaché au mariage, non. Mais Dieu va prendre la relation entre Adam et Ève et il va avoir un résultat. Dieu va prendre la relation entre toi et ton mari, il va avoir un résultat. Le résultat escompté va faire du bien à quelqu'un. Vous allez vous rendre compte que la personne qui est restée tout seule dans la maison face à cette situation et à deux doigts de se suicider, les médicaments devant. Et un bon matin, tu sonnes à la porte et tu rentres. Et tu arrives, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que vous allez voir que la personne qui est comme ça perd tout. C'est-à-dire que tout espoir se laisse aller. Les cheveux sont en l'air. Le visage est bizarre. Ça fait moins 3-4 jours, il n'a pas mangé, il ne s'est même pas lavé. Donc quand tu arrives, la personne qui était toujours bien habillée, pimpante, et qui était toujours sur son 30e, et qui marche, et qui a une vie qui est vivante, vous allez vous rendre compte que la personne, au fur et à mesure, va se détruire. Au fur et à mesure, va se détruire. Et se laisser mourir. Mais quand vous allez faire éruption, bien-aimé, la seule question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. La première réaction, en général, c'est les larmes. La personne va verser des larmes. Va commencer à pleurer. Va commencer à pleurer. Et pleurer. Pleurer. Et va se mettre dans vos bras. Alléluia. Il va commencer à vous expliquer toute la corvée, toute la situation qu'il traverse. Je suis avec un homme depuis longtemps, mais je ne savais pas que l'homme entretenait une autre relation à l'extérieur. Je suis avec lui. Pour moi, il ne travaillait pas. Donc, je me tuais. Je faisais tout. Je m'occupais de lui. Je m'occupais de tout. Alors que, en réalité, l'homme recevait une pension
dont je n'ai jamais vu les billets, dont je n'ai jamais vu le résultat. Et nous étions là, je me dépouillais, je me détachais, je m'occupais de mes enfants, je m'occupais de tout. Toute la famille était sur mon dos, alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui pouvaient nous aider. Frère, à chaque fois, je partais vers une sœur, c'était l'échec. À chaque fois, je partais vers un frère, c'était l'échec. C'est de mon nom qu'il s'agissait. Partout où je passais, on ne parlait que de moi, de la méchanceté sur moi. Tout ce qui était négatif, c'était moi. Tout ce qui était mauvais, était moi. Prostitution, c'est moi. Vol, c'est moi. Mensonge, c'est moi. Viol, c'est moi. Alors finalement, je suis fatigué. Je préfère partir parce que mon existence n'a pas de sens sur cette terre. Alors que je pensais que nous étions réellement dans une relation pour que nous puissions nous apporter quotidiennement dans la vie. Aujourd'hui, je suis avec un frère. Quand il n'a pas encore vu autre chose, il est avec moi. Mais le jour où il descend, le jour où il découvre, la personne change. Avant, il ne travaillait pas. On était ensemble. Tout se passait bien. C'était ma chérie. C'était mon chéri. Tout était bien. On était bien entendu ici, dans la maison. Il n'y avait pas autre chose. Mais dès lors, le monsieur a travaillé. Dès lors, il a acheté la voiture. Dès lors, il a eu les papiers. Dès lors, son entreprise a commencé à prospérer. L'homme là, je ne le comprends plus. Donc, bien aimé, je préfère mourir. Laisse-moi tranquille. Alléluia. Comprenez que là, quelque chose, ton arrivée va déclencher une situation. Amen. Quelque chose va se passer. Alléluia. Hé, frère, quand tu vas arriver, tu vas comprendre que Dieu avait prédestiné ce jour pour ce type de situation dont tu serais une solution. Alléluia. Vous allez vous rendre compte, la relation entre un homme et une femme, le résultat escompté, un, c'est pour la gloire de Dieu, pour la reproduction, deuxièmement du moins, pour solutionner le monde. Le frère, là, s'il n'avait pas un type de relation entre toi et le frère, tu ne serais jamais allé chez lui. Bien aimé, les gens aiment la suffisance. Moi, je me suffis. Moi, je n'ai pas besoin de Paul pour avancer. Je n'ai pas besoin de Pierre pour avancer. Amen. Regarde Dieu. Mais lui, Dieu, qui était au-dessus de tout, capable de tout faire, lui, Dieu te demande ce matin qu'il avait besoin de toi pour accomplir l'œuvre de sa création. Amen. Donc, comprends que si Dieu était dans un besoin de toi, de tisser une relation entre toi, ce n'est pas toi qui ne peux pas tisser une relation avec un frère. Bien-aimé, alléluia, tu as besoin de ton frère a besoin de toi. Et là, est-ce que Dieu vous parle de communauté? Est-ce que Dieu vous parle de pays? Est-ce que Dieu vous parle d'ethnie? Dieu dit, je veux une relation. Alléluia, mon frère guadeloupien, il est venu. Mais Dieu tisse une relation entre lui et moi. Et vous allez voir la relation de lui. De toute façon, il est arrivé là. Ici, par rapport à moi, vous allez vous voir un autre type de relation qui va se tisser. Alors qu'il ne me connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Pourquoi on est aussi très souvent sectaire? Pourquoi on est aussi très souvent tribalique? On n'aime que les gens de sa communauté. Les Ivoiriens et les Ivoiriens sont ensemble. Les Camerounais et Camerounais sont ensemble. Les Guadeloupéens et les gens des îles sont ensemble. Regardez Dieu. Alléluia. Donc vous allez comprendre que quelqu'un qui focalise ce type de relation, Dieu ne sera jamais avec lui. Toi, tu n'aimes que ce qui est pour toi. Ce qui sort de ton ventre. Quand ça sort du ventre des autres, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Tant que ce n'est pas ton sang, tu t'en fous. Il faut que ce soit forcément sorti de ton ventre pour que tu saches que l'enfant qui est là a une importance. Frère! De la même façon, Dieu a mis une relation entre toi et quelqu'un pour qu'il y ait un fruit. Il y a une souffrance.
chose. Dans cette relation-là, tu n'es pas le maître, c'est Dieu lui seul qui a permis qu'il y ait cette relation. Donc comprends que c'est pour la gloire de Dieu. Donc ce qui naît doit être pour toi une naissance. Ce qui naît de l'autre doit être aussi une naissance. Mais quand ça sort simplement de ton sein, c'est pas ce que tu dois considérer. Il y a des gens qui n'aiment pas les enfants des autres. On n'aime pas ce qui sort de notre ventre. Et on regarde ça avec méchanceté. Bien-aimé, tu m'as pris avec mes enfants. Si tu n'aimes pas mes enfants, la porte est ouverte. Alléluia. Et si tu m'aimes, tu me prends et moi et mes enfants. Bien-aimé, quelle aberration, quelle méchanceté. Alléluia. Ton enfant n'a jamais rien fait. C'est toujours les enfants des autres. Non, moi, mon enfant ne fait rien. Hein? Moi, mon enfant n'est pas dans ça. Hein? Mais c'est l'enfant de l'autre là. Hé. Non. Bien-aimé, acclame un peu le Seigneur. Vous allez vous rendre compte que la flamme va s'allumer dans l'esprit ou dans la vie de la personne qui était suicidaire. Donc au final, regardez le résultat. Tu vas ressusciter quelqu'un. C'est pour cela, Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Il n'est pas bon que l'on soit seul parce que dans la relation que Dieu tisse, il a d'abord son intérêt à cause de la mission qu'il a pour la terre. Et quand il parle de la terre, il n'a pas dit une portion de terre. Non. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que ici, tu peux être en France, avoir une relation avec une femme, un enfant va naître. Et puis cet enfant va te laisser, il va aller aux États-Unis, il va s'installer de manière définitive là-bas. Il prend la nationalité américaine. Et étant là-bas, il devient président. Bien-aimé, comprends que Dieu était déjà dans un premier temps dans le processus dans l'œuvre de la création, dont il avait déjà prédestiné cet enfant-là, président aux États-Unis, mais il t'a envoyé en France pour que cela se matérialise. Amen. Donc l'enfant sort, il n'est plus pour toi, il est pour Dieu, il est pour le monde, il est pour toute l'assemblée, il n'est pas pour toi seul. Un enfant qui naît n'est pas un enfant pour toi, il est au-delà de ta présence, mais Dieu, tu dois l'interroger pour lui dire, Seigneur, quelle est la volonté pour toi, pour cet enfant? Alléluia. Bien-aimé, c'est parce qu'on ne comprend pas l'évangile. On ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas l'évangile. Regardez, deux valent mieux qu'un. N'est-ce pas? La troisième personne va venir solutionner la vie de la femme. Parce que deux valent, c'est 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, qui est la troisième personne? C'est l'enfant. N'est-ce pas? L'enfant qui va naître. Vous allez voir que Dieu va inculquer à cet enfant un autre type de relation qui va tisser à l'extérieur. L'enfant va se rendre compte que ça fait au moins une semaine. Il n'y a pas eu d'échange entre son meilleur ami et lui, dont l'enfant a fait éruption dans la vie de son meilleur ami, qui est dépressif, qui est en train de mourir, et l'enfant arrive là-bas, il tombe sur la situation, et il va solutionner cette vie-là. Alléluia. C'est pour cela, un enfant de Dieu, dans son type de relation, préserve la relation. Amen. Amen. Tisse une relation de bonne entente. Parce que personne ne peut savoir d'où peut venir un déclic de ta vie un jour. Les gens, tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur comme ça en face et puis tu lui fais mal.
lui fais mal. Alléluia. Mais tu ne sais pas qu'un jour, Dieu va utiliser un jour. Un jour. Un jour. Dieu va utiliser la même personne à qui tu as fait mal. Et tu ouvres le bureau, la personne assise là. Tu fais quoi? Tu fais demi-tour, tu fais roulade. Amen. Ah, c'est toi. Amen. L'objectif que tu veux atteindre est dans la vie d'Isabelle Duroux. N'est-ce pas? Dieu va prendre cet objectif-là, va cacher ça dans la vie d'Isabelle Duroux. Maintenant, Dieu maintenant va t'utiliser de sorte que elle que tu n'aimes pas là, tu puisses absolument passer par elle pour avoir l'objectif. Donc vous allez comprendre que la voiture que tu cherches, le mari que tu cherches est incarné dans la vie de quelqu'un. Est incarné dans une relation. Frère, donc tu vas voir que si tu minimises la vie de l'autre, tu ne pourras pas atteindre l'objectif escompté. Je veux une voiture, c'est vrai. Dieu t'a certainement montré la voiture en songe. Ça, c'est une révélation. Mais ce que tu oublies, il y a un processus dans lequel tu dois t'inscrire afin que ce processus puisse s'accomplir. La voiture puisse s'accomplir. Hey, Dieu va prendre quelqu'un. Oh, va prendre quelqu'un quelque part de très loin qui va envoyer ici dans l'assemblée. Quand tu regardes le monsieur n'est même pas approchable. Mais tu ne sais pas que dans ce monsieur, il y a la solution de ta voiture. Alléluia. Nous minimisons tout le monde. Nous méprisons les gens. On méprise. Hey, Papa Dali, on méprise les gens. Papa Dali, on méprise les gens inutilement. Mais regarde, tu vas voir que l'attention que tu accordes à quelqu'un, dans le type de relation que vous avez, quand elle n'est pas intéressée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un seul sens, Dieu prend cette relation, il l'arrange, même quand elle était mauvaise, mais Dieu l'arrange, et puis il la met au sommet. Bien-aimé, change ta mentalité, change tes pensées. Quel est le type de relation que tu as avec ton frère? Tu es à l'église, tu ne connais même pas le frère, le numéro du frère. Ou bien maintenant, quand on s'assoit à l'église, on s'assoit par communautarisme. Quand tu les regardes, ils sont tous par affinité, ils sont assis. Ils s'appellent par affinité. Alors que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Quand l'autre est faible, l'autre le relève. Maintenant, toi, tu es toujours avec les gens qui vont... Amen. Hein? Gloire à Jésus. Acclamez un peu. Donc nous comprenons aujourd'hui que, par définition, la relation, c'est l'ensemble des contacts et des interactions entre les gens. Des contacts et les interactions entre les gens. Quand on parle d'interaction, ça veut dire que j'ai besoin de mon frère a besoin de moi. Pas j'ai besoin. Non. Faut virer. Il y a des gens, j'ai besoin. Donne-moi. Faut virer. Ça fatigue l'esprit. Je t'ai acheté une chaussure, tu m'achètes une chemise. Amen, hein? Amen, hein? Mais c'est toujours toi, on achète. Ça, là, c'est pas une relation, ça. Ça va nulle part. Parce qu'au bout du temps, quand il n'y en a plus pour acheter, on te jette. Là, ce n'est plus une relation. Maintenant, tu achètes l'amour. Il y a des gens qui font tout avec leur matériel. Moi, j'ai. Donc, je suis capable de. On fait tout avec le matériel. On fait tout avec l'argent. Mais et le jour, tu n'auras pas l'argent. En fait, comment? Et tu attires les gens
par ton argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas draguer une femme sans argent. Frère, il faut sélectionner tes relations. Tant que tu ne sélectionnes pas tes relations, il est difficile d'atteindre le rêve que tu vas avoir. L'objectif est santé, il est difficile de l'atteindre. Celui qui veut atteindre un rêve, une vision, doit obligatoirement sélectionner ses contacts, ses relations. Alléluia. Regardez un peu, une mauvaise relation peut être dévastatrice dans ta vie. Une mauvaise relation peut détruire ton cœur. Une mauvaise relation peut détruire, tuer même ton rêve. Une mauvaise relation peut tuer ta vision. Alléluia. Nous avons vu l'exemple d'Abraham et Lot. Quand Dieu a appelé Abraham, est-ce qu'il a appelé Lot? Regardez, vos sentiments là, c'est ça qui vous tue. Non, s'il ne fait pas ça, ils vont dire quoi? Mais Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui est le plus important. Bien-aimé, moi, quand Dieu me convainc de poser un acte, de faire ce qu'il veut, qu'il soit sa gloire, je le fais. Même si quelqu'un m'empêche, je dis, arrête de moi, Satan. Je dis, laisse-moi, je vais avancer. Dieu t'a dit quoi? Il a dit à Abraham, prends ta femme, suis-moi. Alléluia. En même temps, à cela, à cet appel, il attache une promesse. Non, il y a vraiment Lot. Ben, son frère, son papa est mort. Son papa là, c'est mon frère, je l'aime bien. Viens, viens avec toi. Hey! Vous prenez tout le village. Vous les envoyez à Paris. Maintenant, quand ils sont sur votre dos, dès qu'ils arrivent, le foyer est brisé. Tu pleures. Tous les mois, c'est toi qui veux scolariser tout le village. Va scolariser. Il faut que tu montres que toi tu en fais. Mais papa, non, mais il faut que je prouve. Tu vas prouver quoi? Tu vas prouver quoi? Est-ce que Dieu t'a convaincu de le faire? Même ceux qui sont en brousse, au village, au campement, connaissent ton numéro de téléphone. Parce que tu es en France. Il faut que je prouve que ah, mon père qui est décédé là. Il faut que je prouve. Tu vas prouver quoi? Bien-aimé, il est venu pousser, il partira pousser. Amen. C'est tout. Mais on va remuer ciel et terre, s'endetter pour un mort. Maintenant, l'esprit de moi est attaché à nos finances. Paralysé, tu pars au village, tu reviens, plus de travail, plus de maison, plus de mari, plus de femme, tout est paralysé. Parce qu'on a mis la gloire dans ce que les autres doivent voir. On va voir quoi? Alléluia. Ce n'est pas la même chose quand Dieu a dit à Abraham, maintenant que tu t'es séparé de l'autre, il dit, lève les yeux vers les cieux, vois. Cette façon de voir n'est pas la vision qui est physique, elle était spirituelle. Par rapport à ce que Dieu, maintenant qu'il s'est détaché de ce qui l'empêchait de manifester sa gloire, doit s'accomplir maintenant en lui disant, maintenant que l'autre est parti, lève les yeux. Bien-aimé, on attend d'abord la conséquence avant de lever les yeux. Parce qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Et des fois, le moment où tu lèves les yeux pour sentir la présence de Dieu, pour sentir que Dieu t'écoute trop tard. Alléluia. Nous ne lèvons pas les yeux. Et nous n'avons pas, on ne cherche pas à avoir des yeux spirituels. Alléluia. Dieu dit, lève les yeux. Abraham lève les yeux. Il dit maintenant que l'autre est parti. Il dit, regarde, la partie de la terre que je te donne. La Bible dit, c'est une terre rocailleuse. Mais Dieu dit, lève les yeux. Pourquoi? Parce que celui qui a appelé Abraham est où? Est dans les cieux. Donc, il avait la possibilité de changer toutes choses. Maintenant, quand tu vas comprendre que dans ta vie, là, l'autre ne doit pas rester dans ta vie. Le mensonge ne doit pas rester dans ta vie. Le vol ne doit pas rester dans ta vie. L'adultère ne doit pas rester dans ta vie. La prostitution ne doit pas rester dans ta vie. La sorcellerie ne doit pas rester.
dans ta vie. À ce moment-là, tu lèveras les yeux vers les cieux et tu verras que Dieu, il est véritablement Dieu. Alléluia. Alors que Dieu a besoin de toi. Il dit sélectionne ta relation. C'est pas tout le monde en prend. Oui, oui. Non, c'est l'enfant de mon. C'est l'enfant de l'enfant de l'enfant de. Dieu t'a appelé à le prendre. Tu l'envoies. Voilà ce celui qui a assis maintenant dans ta vie. Et tu te lamentes partout. Maintenant, c'est là que tu as traité tous les pasteurs de menteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas menteur. Hein. Parce que quand tu allais prendre ta chose là, je n'étais pas là. Tu ne m'as pas consulté avant. Maintenant, s'il y a la conséquence, c'est ton problème. Amen. Et regardez, je vais vous donner quelques exemples. On a vu l'exemple de Lot avec Abraham. Il y a aussi le trône de David a été sauvé par Jonathan. Parce qu'entre Jonathan et David, il y avait une relation très forte. Amen. Hein? Il y a aussi la relation entre Élisée et Élie. Élisée a eu une puissante, il avait un puissant ministère parce qu'il était dans de très bonnes relations avec Élie. La Bible dit qu'il a reçu la double portion. La relation est très importante. Frère, tu peux ne pas avoir de l'argent et puis aller par exemple dans un pays. Mais à cause du fait que tu as tissé de bonnes relations avec les gens, quand tu arrives, on t'accueille. Amen. Les portes sont ouvertes. Amen. Amen, hein? Amen. Avant, je partais à Abidjan. Et puis, je faisais mon calcul depuis un an. Pour ne pas que j'aie besoin de quelqu'un. Mes frères bien-aimés, depuis que j'ai compris que la vérité devrait m'affranchir, et quelqu'un elle m'a affranchi, j'acceptais réellement le Seigneur. Et qu'aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu. Quand je vais à Abidjan, je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour m'envoyer l'argent. Non. Bien aimé, non. Déjà, mais depuis l'aéroport, on vient me chercher. Mes parents me trouvent à la maison. Amen. Parce que j'ai réussi à impacter un type de relation avec les personnes. Frère, quand tu te prends au sérieux, on te prend au sérieux. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Un chef, c'est une révélation de Dieu. N'est pas chef qui veut. Donc, quand tu es en face d'un chef, tu as aussi le type de comportement que tu dois avoir comme un chef. Il y a un langage pour des gros standings et il y a un langage en fonction du milieu où tu te trouves. Bien aimé, si ta personne est négligée, c'est normal que partout où tu iras, on te néglige. On ne te prend pas au sérieux. Quand tu mets du sérieux dans tes relations, dans tout ce que tu fais, alléluia. Quand tu es soigné, tu soignes ton langage, ton attitude, ton comportement, ton caractère. Donc tu ne donneras pas l'occasion à quelqu'un de te parler comme il veut. Non. Parce que tu soignes le type de relation. Je suis avec une femme. Si je la respecte, elle me respectera. Si je corrige mon caractère, mon comportement, mes allées et venues, ce que je dis, si je le respecte, à la maison, il aura de l'ordre. Mais aujourd'hui, tu dis oui, demain tu dis non. On ne sait plus où tu es exactement. On te parle ici, tu changes. Tu es là, tu changes. Tu es devenu maintenant caméléon. On te voit ici, tu deviens rouge. Là où tu te mets, là, ce n'est pas la couleur du lieu. Finalement, on ne sait pas où tu es classé. Quel est le type de relation? Quel est le type de personne que tu es? Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Il est tellement formidable. Dans son esprit, regardez ce qu'il a fait de vous. Dieu dit, et quand il a créé l'humanité, le signe, Dieu dit au commencement, l'esprit attendait ta venue. Amen. Hein? Dieu attendait que tu arrives d'abord pour que l'esprit descende en toi. Pour qu'il mette en place un processus. Et le processus là, ne s'est pas fait avec n'importe qui. Toi. Alléluia. Donc tu dois comprendre que tu es une créature très très importante pour Dieu. Maintenant, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec ton frère? Avec ta soeur, ta femme, tes enfants, ta famille? Tu es où? Aujourd'hui, tu es à gauche, demain, tu es à droite. Je veux te marier aujourd'hui, demain, je ne veux plus.
Toi seul, tu as deux réponses en toi. Je te... Non, toi, toi, non. Toi là. Oh, ma fille soit bénie. Toi là, toi, 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 toi. Sois béni. Ah! Non! On reste tout le temps dans le superficiel. Parce qu'on a vu quelqu'un bien taillé, bien, bien comme il faut. Ah! C'est ça là que je veux. Maintenant, tu es rentré. Voilà pas la boue. Quel est le type de relation? La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit. Tu n'es ni non ni oui. Tu es fade, tiède. Acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Donc nous devons comprendre que même si en toi il y avait des dons puissants, même si en toi il y avait de grandes choses, mais à cause du fait que tu n'as pas interrogé Dieu et que tu as fait un choix de personnes que tu t'as associées, regardez un peu ta vie, ton don, ton ministère, c'est-à-dire que tout ce que tu avais appris à l'école pour lequel tu devais reproduire n'ont plus de sens. Tout est bloqué, ça a plani, c'est paralysé, tout est brisé, détruit, parce que tu n'as pas interrogé Dieu avant de prendre quelqu'un pour le soumettre sur ta vie. Et une fois que tu es dedans là, tu ne peux plus faire marche arrière parce que les yeux sont braqués sur toi. Frère, il n'y a plus de marche arrière. Moi, chez moi ici là, quand tu prends quelqu'un, tu prends ma fille, ce n'est ni échangé, ni remboursé. Tu parles à gauche, ce n'est ni remboursé, ni échangé. Moi, j'accompagne au mariage, je n'accompagne pas pour divorcer. La Bible dit, à Corinthe, il y avait l'église, la première église qui était en Corinthe, c'était une église remplie de dons. Remplie de dons, remplie de puissance de Dieu. Alléluia. Ma vie prend 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Bien-aimé, tes choix que tu fais à l'université, tes choix que tu fais à l'école, tes choix que tu fais dans les associations. Amen. Tu es tout le temps dans toutes les associations. Des païens. Tu es assis tout le temps parmi les païens. Tu ne fais rien si ce n'est pas des œuvres païennes. Et tu dis, je suis chrétien. Tu es assis là, voilà, la Bible dit comment, ma fille? Verset 33, ne vous y trompez pas. Dis-moi tout. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est moi qui l'ai dit. Non, papa. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu étais une bonne graine, quand une mauvaise rentre dans ton sac, c'est fini. Ta vie est détruite. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ils ont des grandes idées, des grands projets, des grandes choses qu'ils veulent faire. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont capables de les réaliser. Mais à cause du fait qu'ils sont corrompus par les mauvaises mœurs, tout est bloqué. Tout ce qui touche s'écroule. Il y a un esprit de non-accomplissement qui est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, boum, ça s'écroule. Parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Voilà. Tu as mis maintenant, il est là. Tu peux rien faire. Elle est là. 50 ans, elle est là. Tu l'as brandi partout parce que la personne a bien caché son jeu. Vous comprenez que si vos buts et vos objectifs ne sont pas précieux dans la vie pour Dieu, vous devez donc faire attention. On doit faire attention avec qui nous partageons nos vies. Nos confidences là. Amen. Amen. Frère, il faut savoir avec qui tu parles. Il faut savoir qui t'écoute. Ce n'est pas tous les secrets qu'on libère. Dans la relation, tu ne libères pas tes secrets. Quand Dieu a dit à Adam, viens ici, voici une femme, voilà, Dieu n'a pas donné le secret à Adam. La preuve, c'est qu'il a tombé Adam pour créer la femme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc Dieu ne libère pas ses secrets. Mais lui seul a sa vision, il a son objectif, il sait où il va.
Bien aimé, un enfant de Dieu doit être profond. Amen. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça puis fini. Non. Tous tes secrets sont mis au grand jour. Maintenant, le jour, maintenant, il faut parler véritablement. Tu ne peux rien dire. Tu as tout dit avant. 2 Rois 20, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Oui. En 2 Rois 20, verset 12. En ce même temps, Bérodac Béladan, fils de Béladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Oui, il dit quoi? Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi. Ésaïe dit quoi? Et lui dit, que t'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Oui. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Regardez. Alors, oui, alors? Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Écoute ce que Dieu... Oui. Voici. Les temps viendront. Où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Amen. Il n'en restera rien. Alléluia. Dit l'Éternel. Bien-aimé, il y a des gens qui aiment tellement confidence. On aime tellement les confidences. Ça, c'est mon confident, ça. Et tu prends ta vie, tu lui donnes. Ton indiscrétion va t'amener souvent à la ruine, à la destruction. Regardez, Ézéchias. Quelqu'un a appris que tu es malade. Il dit, bon, allez voir le roi d'Israël pour voir ce qu'il a. Et ils arrivent pour le simple fait. La Bible dit, à cause du fait que les serviteurs sont venus voir parce qu'il est malade, c'est fini. Il dit, venez. J'ai l'or. J'ai l'argent. J'ai trésor. J'ai diamant. Voici mon arsenal de guerre. Voici mon champ de riz. Voici ma banane que j'avais mis ici. Alors que la Bible dit, le roi de Babylone, les Babyloniens qu'on appelle la Syrie, c'est des gens qui sont éternellement restés en guerre avec Israël. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vous dis? Des fois, c'est nous-mêmes qui prenons nos projets, nos vies et nous vendons. L'homme là, il est encore dehors. Il n'est pas encore assis dans ta vie. Le père étant temps, vous avez commencé, toute ta vie est devant lui. La femme n'est même pas encore rentrée. Mais tu veux lui montrer que toi tu es bon, tu es bien. Tu dis, ma soeur, viens. Et maintenant tout ton trésor là est dehors. Une fois c'est dehors, le trésor est maintenant dehors. Ça ne convient pas à sa possibilité. Donc, tout est daté. Et tu vas commencer à pleurer? Non, on va essayer. Non. Bien aimé, il y a des choses un enfant de Dieu ne fait pas. Le trésor, c'est ta vie. C'est tout ce qui est intime à ta vie. Le trésor, c'est tous tes secrets. Le trésor, c'est ton passé que l'homme va utiliser plus tard pour te détruire. Bien aimé, dès que tu rencontres quelqu'un, prends le temps. Prends le temps. Pourquoi? Il va utiliser les mêmes éléments le jour où je serai en discorde. Parce que la dent et la langue habitent ensemble. Et il y a des moments quand tu es en train de manger là, tu mâches la dent. Pourtant, c'est des vrais amis. Vous devez comprendre que dans cette relation, entre la dent et les dents, il y a souvent un peu de palabre. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit être discret. Un enfant de Dieu doit avoir des profondeurs. Tu prends ta famille, tu lui donnes. Tu prends ta soeur, tu lui donnes. Tu prends ton frère, tu lui donnes.
L'homme là, il n'est pas encore rentré. Il n'a même pas encore fait 2 jours. Mais il sait tout. Quand il va venir maintenant, non, c'est toi qui m'as dit. Ce que tu lui as dit là, il va prendre, il va te chuter avec. Et là, non, il m'a fait mal. Non, j'ai l'amertume. L'amertume ne vient pas d'ailleurs, c'est toi-même. Ta propre salive que tu avais balancée là est venue sur toi. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit être discret. Alléluia. Bien-aimé, des fois les choses qui nous arrivent ne viennent pas d'ailleurs. Le pauvre sorcier, il est au village, il n'a rien à voir avec toi. Amen. Hein? Toi-même, ta bouche là, ce que tu as pris et tu allais vendre là. Les gens ont pris et on t'a retourné avec ça. Maintenant, tu te plains. Pas te plaindre. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Bien-aimé, il faut toi-même te faire une étude. Un enfant qui n'est pas profond, un enfant qui n'a pas de secret, c'est un enfant dont l'avenir est en danger. C'est un enfant dont l'objectif est en danger. Attends d'abord l'accomplissement avant d'applaudir. Alléluia. Il faut attendre le résultat d'abord. Tant que je n'ai pas encore signé mon contrat, je n'informe personne. Tant que ma nationalité n'est pas venue, je n'informe personne. Je suis là. Oui. Le jour où j'ai le courrier de la nationalité, le jour où je suis convoqué pour aller signer, pour aller récupérer ma nationalité, maintenant je peux informer. Parce que l'intention n'est pas l'acte ou n'est pas l'action. Avoir une intention de ne veut pas dire qu'on est déjà dedans. Tu as un projet, tu n'as même pas le processus de procéder ce que tu projettes. Mais déjà, tout le monde est au courant. Je vais créer une entreprise. Tout le monde est au courant. Ton entourage est au courant. J'ai un projet de voyage. Avant même que tu ne sois en train de faire les papiers, toute la famille est au courant. Mais tu vas aller où? Tu n'auras rien. Tu n'iras rien, nulle part. Amen. Très souvent, c'est pour ça que la Bible nous dit, la mort et la vie sont au bout de la langue. Si tu mets ta langue en bride, tu verras que tu passeras subtilement. Amen. Hein? Là où tout le monde doit rigoler, rigole. Parce qu'il y a des gens qui sont très très forts. Ils prennent la vie de leur mari, la vie de leur femme pour venir devant toi. Mais en fait, c'est des gens qui sont utilisés, c'est les agents du diable pour atteindre ta vie. Parce que si vous avez commencé à parler pour la vie de son frère, de son mari, toi aussi tu parleras de la vie de ton mari. Et maintenant tu vas voir que, tant soit peu, la même personne va prendre cette fille-là, va commencer à balancer, étaler ça sur tous les murs de Paris. Et tu ne sais pas d'où viennent les informations. Tu es dépassé. L'autre est là. L'autre est assis là, auprès de toi. Ce n'est pas toutes les relations avec lesquelles on se libère, on se livre. Non. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Bien-aimé. Et ce matin, le Seigneur veut parler à un peuple. Il faut commencer à revoir ta position. Parce que si tu ne revois pas ta position, regardez. Regardez, Ézéchias. Tu es malade. On va te rendre visite. Et on t'a demandé de présenter tous tes biens. Amen. Hein? Regardez l'indiscret. La Bible dit, il a tout perdu. Il a présenté ça au roi de Babylone. Le roi de Babylone est passé par derrière. Il lui a tout volé. Et il a pris son propre fils pour le mettre à Babylone, dans le royaume. Et maintenant, son fils s'est dressé contre lui. Amen. Hein? Dieu lui-même permet cela. Souvent, quand vous voyez les gens qui, de jour au lendemain, parce que tu lui as tout libéré. Mais oui, tu lui as donné la force. Il connaît ta vie. Il connaît la vie de ta femme. Il connaît la vie de tes enfants. Tu lui dis tout. Tu lui vends toute ta vie. La même personne va prendre la même vie. Poum! Sur toi. Il deviendra une bombe à retardement.
Bien-aimés, préservons nos vies. Faisons attention au type de relation que nous faisons. La relation que tu tisses doit être basée sur la vision de Dieu, l'objectif de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il t'a déclaré ou il t'a déclaré une flamme que tu vas tout le vendre. Non. Laisse les choses se faire. Il faut s'y mettre de ce que tu fais. Et la personne te prendra au sérieux. Même s'il a un grade très élevé, frère, un premier ministre peut venir vers toi. Mais s'il est venu, si le premier ministre, et il a dit c'est toi, il veut, toi tu le mets à l'étape de là où il est. Point. Voici comment les choses se présentent. Ta vie ne doit pas être libérée avant. Ton intimité ne doit pas être libérée avant. Non. S'il dit c'est toi, il veut, Dieu permettra, s'il est vraiment dans la vision de Dieu, d'attendre le temps qu'il faut. Et quand il attendra le temps qu'il faut, vous allez voir que plus tard, il aura beaucoup de respect pour toi. Et quand tu vas lui parler, il te regardera avec beaucoup, il t'écoutera avec beaucoup d'attention. Mais tu lui as tout dit. Attends un peu. Quand on commençait là, tu ne m'as pas barré, c'est maintenant que tu vas me barrer. Alléluia. Donc vous devez avoir des relations avec vos responsables. Plus tard, on verra, par la grâce de Dieu. Un autre type de relation par rapport à ce qui vous lie. N'allez pas au-delà. Amen. Ne cherchez pas à fouiller ce qui est dans ses narines. Amen. Amen, hein? Amen. Parce que des fois, nos pensées vont là où ça ne doit pas partir. Non. Tu as une relation avec ton père spirituel. Point. La Bible, point. Ne va pas loin. Je ne cherche pas à savoir comment ma femme, comment mon... Là, tu vas me trouver. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu est dans la joie? Est-ce qu'un enfant de Dieu est dans la joie? Est-ce qu'un enfant de Dieu est dans la joie? Est-ce qu'un enfant de Dieu est dans la joie?